Alors, on est à la fête médiévale, comme vous avez dit. Oh là, les gros chevaux à côté de moi, regardez. Gros chevaux. Il est plus gros que moi. Ouais, mais ils sont énormes. Oh purée, comment je me sens petit. Bonjour Coco. Tu peux pas monter sur le Coco. Seigneur, oui, tu peux tout. Regardez, ça c'est ce que ouais, ils mettent. Touche comme c'est lourd, essaye. Comme c'est lourd. Alors ouais, là on a le truc du chevalier là qu'ils mettent pour pas être coupé. Et là on a le chaudron de la sorcière. Vas-y, moi je fais une soupe de sorcière. Ouh, je fais une soupe. Fais une soupe de sorcière. Alors c'est génial, fais une soupe de sorcière. Vous faites de la soupe de sorcière? Est-ce que vous voulez voir les casques? Venez, on va voir les casques. Là, on a une chambre. Wow, c'est super joli, t'as vu? Regarde le lit et tout. T'as vu, il y a même la robe. Il y a le casque. Il y a les armes, il y a ça, la table. Regarde. J'arrive. Alors Théo, il va mettre le casque. Alors on va voir Théo qui essaye le casque. Allez, vas-y, Théo, il essaye le casque. Le magnéto, il arrive à manteau. Ça va être lourd, je pense. Hein waouh, t'es trop beau. Tu veux le bouclier et l'épée pour la photo? Oui, c'est une vraie. Non, j'ai pris, loulou. Ça va? Tu veux devenir ça plus tard? Ouais. Bah, faut revenir à la vieille époque, désolé. T'es né trop tard, fils. Comme maman, t'es né trop tard. Ça fait bizarre que maman lève le casque. Ouais. Ah bah oui, ça. Les chevaliers à la licorne. Allez, tu viens? Il y a même des gants. Quoi? Tu voulais aussi, toi? Tu veux essayer? Ah, oh, mais toi aussi. Lequel tu veux essayer? Celui-là? Allez. Le piquant goût, tu sais, maman. Ouais. Maman, il y a une cloche. Regarde. Il y a plein de choses à regarder, en fait. On est trop passé en large, hein, les loulous. Ça sonne la cloche. À table! Non, faut tirer comme ça! À table! On mange! Voilà! Ah, c'est bon! Et l'épée? Allez, attends, reste tout à l'heure, je vais changer moi de place parce que. On va faire le tour un peu de ce qu'il y a vite fait. Ah, il y a une grosse. Théo, viens voir! Une grosse arbalète, on dirait. Oui, c'est une arbalète. Eh bien, viens, regarde cela si tu veux. On a toutes les armes, hein. Ça pique, hein? Explication. Théo, au revoir, on va aller voir les oiseaux. Ouais, elle est là, c'est l'énir, c'est bon. Non, il faut pas s'approcher. Oh, qu'ils sont beaux. Non, oui. Oh, ils sont trop beaux. Non. Ils vont te mordre le bois. Alors avec les pattes, hein, ils en desserrent au bout des pattes. On va pas s'approcher, là c'est chez eux. Ouais, ils sont magnifiques. C'est mignon, il y en a, mais plus vite que. Alors je ne sais plus comment il s'appelait, c'est très gros. Il va vous monter, il va monter, sur vous. Oh, c'est ça, tous les gamins, ils ont dit oui, il y en avait. Plus de filles que de garçons. Alors là, on va se diriger vers. Vert, ouais, on peut faire des petits combats, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Ben oui, vous pourrez faire des petits combats. Après, il y a du monde là. Des acrobaties. Regardez ça, c'était des anciennes poteries. Oui. Tu vois? Bah, c'était leur vaisselle, hein.
Regardez les garçons. Avec les H. T'as vu? Regarde. C'était les verts dans le temps. Ah, il y avait une petite carte. En terre cuite. Un encore un verre. Des petites cruches. Oui, c'est en terre cuite. Ça aussi. Ça, non, c'est de l'argile. C'est de l'argile, oui. Non, on fait une vidéo. Et là, ils vont faire la catapulte. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a aussi des rapaces qui sont très à l'aise pour marcher. C'est aussi une façon de vous familiariser un petit peu avec certains d'entre eux. Donc Diego pèse moins d'un kilo, je vous rassure. Attention, doucement, doucement. Voilà, je pense qu'on peut applaudir nos volontaires qui viennent régulièrement, comme les buses, les faucons qui sont en présentation, comme les hiboux, les chouettes. Peuvent vivre à peu près 15-20 ans de captivité, presque moitié moins dans la nature, pour les conditions qu'on sait tous maintenant. Hein. Vous avez pas seulement la prédation, la maladie, mais vous avez aussi la modification de leur environnement par nos activités. Et puis, les grandes espèces comme les aigles, comme les vautours, eux peuvent vivre jusqu'à 35-40 ans en captivité, moitié moins dans la nature, bien sûr, il toujours, pour les mêmes raisons. Non, non, c'est pas ça. Regarde. Alors donc, répète, ici c'est Attila, il est âgé de 17 ans, il pèse en fait, il un peu plus de 3,5 kg pour une envergure de 2,30 m. Elle va tous les bouffer derrière nous. Par comparaison, la longueur des bras d'un adulte mesure à peu près 2 mètres. Donc c'est juste pour vous donner un petit ordre d'idée. Les femelles, elles, peuvent peser 7 kg, toujours bien sûr, avec la même envergure. Alors elle était naturelle, c'est un peu plus gare, elle était blanche, on va le trouver en Floride, en Alaska.
Alaska, en Colombie-Britannique, le plus souvent le bord des fleuves, des rivières. C'est pour cette raison, bien sûr, qu'on l'appelle Pigard, ça signifie aigle pêcheur. Notre aigle, il est énorme, il peut même atteindre la vitesse de 140 km/h à peu près lorsqu'il plonge. Tais-toi. Pour ensuite récupérer. Ah oui, ça qui a failli disparaître de son pays d'origine dans les années 70. Regarde les plumes. Parce qu'à l'époque, il utilisait beaucoup de pesticides. Vous aviez notamment le DDT qui était interdit depuis. Voilà. Allez, bien. Galine bien, les deux. Tire encore un peu plus fort si tu peux. Vas-y. Ah, c'est pas mal. Ah ben c'est pas si facile que ça. Moi j'aurais mis dans le milieu, hein. C'est pas facile. Pas ici. Trop tard. Ouais, c'est pas mal. Alors parce que c'est bien. C'est pas trop mal. Théo, tu aimes? Ouais. L'autre, elle était plus dure. C'est dur, c'est comment? C'est compliqué. T'imagines que quand fallait tuer les animaux dans le temps. Attends. On croyait que c'était plus. Je croyais que ça allait être plus. Jamais quand on sort, jamais. Quand on va chez vous, si, mais quand on sort, surtout lui.